Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagné pour celle-ci avec des personnes que j'aime bien. Et ça commence déjà par celui qui est dans le cadre. Bonjour monsieur Joël, comment vas-tu? Très très bien, on est sobre aujourd'hui. Eh bah écoutez, on est avec Joël et on est avec quelqu'un qui est passé il n'y a pas longtemps dans un corps au libre. Il me fait le grand honneur de pouvoir revenir ici aujourd'hui. Il est connu pour la qualité de son storytelling, monsieur The Great Review. Augustin, comment vas-tu? Ça va très très bien Zach, merci beaucoup de m'avoir invité. On a un concept rigolo, est-ce que j'explique ou est-ce que tu expliques? Vas-y. Si tu l'as dans tête, tu peux l'expliquer, ça me va. Je suis là pour raconter des anecdotes, mais vous savez pas si elles sont vraies ou fausses. Et j'ai une quinzaine de questions et vous allez devoir essayer de savoir lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. À la fin, on parlera de Lies of Pi. Décor est incroyable, c'est la première fois que je mets les pieds dans un studio qui a autant de flow. Je suis extrêmement heureux, j'ai envie d'appeler quelqu'un sur ce téléphone. Vous l'avez compris, le concept, c'est de raconter des petites anecdotes liées à des jeux du Xbox Game Pass. Le Xbox Game Pass, c'est un abonnement disponible sur PC, console et cloud qui permet d'avoir accès à une immense bibliothèque de jeux avec des nouveautés extrêmement régulières. The Great Review avec ses qualités de storytelling va essayer de nous faire deviner si certaines de ces anecdotes sont vraies ou fausses, donc on aura un petit score pour suivre tout ça, et on va également avoir des petites anecdotes liées à Lies of Pi, un jeu qui sort le 19 septembre, et quant à nous, on peut passer à la vidéo. How many lies would you tell? How many enemies would you face? How many battles would you endure? How many victories? How many failures? How many broken hearts? How many atrocities? Would you tell? To be human? Monsieur Review, c'est à toi. On n'a pas décidé si vous gagnez ou si vous perdez un truc, selon que vous avez raison ou pas. Faudra voir, peut-être des games de LOL. Tu seras obligé de jouer avec son Xerath si tu te gourres trop. Ça me paraît être une tu bonne, penses bonne moi, vraie je pense punition. Que c'est plus pour du cosplay, moi, tu vois. Tu veux le retour de Tajinbu? Tu sais que j'ai ramené le cosplay, hein. Ah non, mais moi j'aimerais bien, genre, tu te déguises en luxe. Mais tu sais que j'ai Twitter qui me harcèle pour un cosplay parce que je l'ai mis dans mes donation goals pour le truc caritatif. Là, je dois me cosplay en Riku, la meuf dans Final Fantasy. Et toi, tu vas te cosplay en Zira, t'inquiète pas, mon gars. On va commencer par un truc simple. En plus, ouais. Sur un jeu que vous connaissez, je commence vraiment extrêmement gentil. Vrai ou faux, la plus longue partie de football manager a duré plus de 200 ans. In-game? Oui, in-game, frère. Ah mais oui, je suis trop bête, moi. Non, non, le gars, il y est toujours, il a commencé en 1800, mec. Il a commencé en 1808, là, t'inquiète, il est toujours là, Joël. Il y a Jaguru qui fait des sessions 80 saisons. Moi, je vais donner mon avis, je dirais faux. Ah ouais? Moi, je dirais vrai. On voit de l'incrédulité ici. Le jeu, je crois, il a une limite, non? Si j'ai pas de bêtises. Il devient de plus en plus lent et ça devient de plus en plus infernal au bout d'un moment. Moi, je dirais vrai. Ouais, 200 ans, ça me semble pas incongru. Je t'ai dit, Gourou, il fait des parties, il est en 2120 avec que des régènes qui s'appellent Edward Joe. La question, c'est est-ce qu'il y a quelque part dans une cave quelqu'un d'encore plus déter, en fait, c'est juste ça. Moi, je dirais fou. Ah, c'est vrai. C'est vrai, il y a même une entrée officielle au Guinness Book pour ça. Et la game a 221 ans et c'est un Polonais qui joue depuis 2015. Et c'est le même club depuis 221 ans. Le gars, il a commencé en 2015, c'est la même version. Il est en Pologne et il a avancé de 221 ans. Non, mais son jeu, ça doit être un enfer. Et temps je pense qu'il met 40 minutes à passer un tour. Genre, je sais pas comment. Tu me dis, genre, l'après-match avec les conférences, les machins. Ça se voit que t'avais un exemple et t'as pu extrapoler à partir de là. Tu te dis, oui, c'est ça me paraît raisonnable. Dans les jeux de course, vous jouez à Forza, tout ça? Ouais, Forza j'ai, un peu, ouais. J'y ai joué, ouais. Si vous êtes trop chum au jeu, l'IA va tricher et faire exprès de ralentir pour vous donner l'impression que vous êtes bon, genre pour vous laisser rattraper les premiers. Vrai ou faux? Vrai. Je sais que par le passé, il y a eu des systèmes un peu comme ça où l'IA s'adaptait à ton rythme, au niveau facile, et plus tu mettais au niveau difficile, plus bah, ils faisaient leur propre course. Ah, mais attention, là je le dis dans n'importe quel cas, genre. Moi je dirais vrai aussi. Ouais, c'est vrai. Ça s'appelle du rubber banding et vous avez raison, c'est le système auquel tu pensais et tu le connais parce que c'est pas que Forza, c'est tous les jeux de course du monde. Oui. Si vous avez déjà joué un jeu de course dans votre vie, je suis désolé de vous l'annoncer.
mais l'IA triche. L'IA triche, mais l'IA triche pour votre confort, l'IA triche pour votre fun. Si vous allez trop vite, celles qui sont derrière vous commencent à vous rattraper et à faire des grands virages à 300 km/h en dérapant pas, parce qu'il faut qu'elles soient juste derrière vous, c'est ça qui crée du stress. Parce que le but d'un jeu de course, c'est toujours de vous donner l'impression que c'est serré en fait. Mais c'est vicieux de fou. C'est vicieux de fou, mais c'est pour le joueur à la fin. Et même que si tu le mets dans les pires niveaux de difficulté, ils vont extrêmement réduire le rubber banding, mais il va quasiment jamais disparaître. T'auras bien du mal à trouver un jeu ou un mode où il y en a pas. Genre au plus dur, la voiture, elle va quand même te mettre une vitesse, ça sera peut-être un peu plus loin, mais tu la verras quand même au fond. Bah par exemple, je discutais avec un dev qui bossait sur un autre jeu de course et qui me disait dans le mode le plus réaliste et le plus difficile, j'ai enlevé le fait qu'elle ralentisse, mais elle te rattraperont quand même. Qui a fait It Takes Two? Si possible avec sa moitié. Ah oui, pour moi c'était Gauthier et il l'a gagné, j'étais très heureux. Le jeu est incroyable. Ah, et tout, c'est surtout, un des meilleurs jeux sur Game Pass. C'est surtout le moment où t'as un espèce d'écureuil qui il poursuit les deux. Est-ce que tu vas parler du truc sur l'avion? Et sur l'avion, ils disent comme dans Street Fighter et tout. Et c'est là j'ai dit quand non, c'est Gauthier. Street Fighter, j'ai c'est le Gauthier. Tu l'as pas fait It Takes Two? Moi j'avais un ami à moi, il jouait avec sa copine, il me disait faut que tu le fasses à deux. Exactement. C'est vraiment génial. Ouais. Tu l'as fait avec qui? Avec un pote. À l'époque. Ah, je jugerai pas. J'étais célibataire. Je jugerai pas. Je l'ai fait avec un pote aussi. Le jeu un succès de fou, hein. Il a remporté 12 000 récompenses et c'est un truc que tu peux recommander à n'importe qui, c'est très familier, il n'y a pas besoin d'aimer les jeux vidéo. Donc justement la question c'est, It Takes Two a été reconnu par la célèbre APA, American Psychologist Association, donc le rassemblement des psychologistes américains, comme un truc qui est susceptible d'aider dans les traitements de couple, à condition que les couples soient ok pour tester le truc. Là qui joue un peu le jeu. Genre. C'est pas dans les traitements lourds, mais c'est dans les, ça peut aider, c'est une bonne idée de commencer par là. Vrai parce que j'ai vu énormément, en plus ici j'ai vu beaucoup de gens dire je l'ai fait avec ma copine machin, donc je dirais vrai. Moi je dirais vrai pour deux raisons, même si c'était pas It Takes Two, le jeu de cuisine là. Overcooked, voilà. Overcooked, c'est pour s'engueuler, hein. Overcooked, ça ruine des couples. Hein. Ouais, mais à l'inverse, justement, si le jeu il est plus, tu vois, moins orienté engueulade, orienté un peu plus coopération, alors je peux voir, tu vois, ce que ça essaye de rapporter. Et parce que filou que tu es, je te vois bien mettre trois trucs vrais d'affilée, histoire qu'on fasse pas la. Oh, il a mis deux trucs vrais, il va mettre un truc faux. C'est faux. Bien sûr que c'est faux, ils ont 60 ans, là, les PA, ils savent pas c'est quoi, ils textent tout. J'ai essayé. J'ai cru, parce que souvent t'as des trucs, ils disent ouais, les jeux vidéo ça améliore la concentration, patati patata. Mais tu sais qu'en vrai, moi j'ai pensé à cette question, alors elle est fausse, parce qu'il n'y a jamais eu de communiqué officiel, mais moi je pense que c'est vraiment incroyable. Hein. Je pense que ça te rapproche de la personne avec qui tu le fais de fou, hein, le jeu hors du commun. Combien d'heures sur Minecraft? Moi je joue beaucoup, je fais mode survie, je me fais des maisons, je casse à mes potes. Ok, question. Minecraft a tellement d'impact sur tellement de gosses à travers la planète qu'ils ont fait en sorte que si tu files un cookie à un perroquet, ça l'empoisonne. Parce que c'est important que les enfants apprennent à pas filer du chocolat à leur pet oiseau. Ça a l'air trop labouré pour que ce soit fou. Le truc des chocolats, c'est pas plutôt lié aux chiens. Sache que dans la vraie vie, c'est en effet toxique aussi pour les oiseaux. Moi je dirais faux. Tu dis pas une info d'ailleurs, fausse Nah, je mens que sur les trucs sur lesquels je mens. Je mens que quand je mens, mec. Confiance. Pour moi, c'est faux. Faux. Ah, c'était vrai. Quoi ? C'était vraiment vrai. Hein. Il y a une mage dans Minecraft, c'est mauvais pour les perroquets. À partir de maintenant, quand vous donnerez un cookie à un perroquet, ça l'empoisonnera parce qu'il faut pas que les gosses prennent de mauvaises habitudes. Mais il y a quand même un côté un petit peu sociétal, tu vois ce que je veux dire. Vous avez sous-estimé le côté sociétal de Minecraft. La convention Minecraft aux États-Unis est la plus grosse convention jeux vidéo qui existe. Mais elle dépasse la BlizzCon, elle dépasse le 3, elle dépasse tout. Mais tu te rends pas compte que tous les enfants du monde jouent à Minecraft et tous les adultes maintenant. Mais de toute façon, je vois avec l'événement là, avec Bagheera, Étoile et les streamers internationaux ces derniers temps. Bagheera, je me lève le matin, elle est dans mon onglet pour vous, des tweets à 3h du matin, 20 000 likes. Réalise que être youtubeur Minecraft, c'était le cheat code pour être big il y a 15 ans, et c'est encore le cheat code pour être big maintenant. En 2023. Il est choqué, Joël. Il est stun depuis 20 secondes. C'est une dinguerie, en fait. J'ai mis que des questions fausses parce qu'elles sonnaient vraies. Hein. Je suis pas là pour être sympa avec vous. Hein. Tiens, Pinocchio, puisque c'est l'inspiration principale pour Lies of P. Dans l'œuvre originale, dans le livre, le délire de mentir et avoir son ex allonge est pas du tout au centre de l'histoire. Genre, ce n'est vraiment pas sur ça. Ok, le principe de mentir, c'est pas ça qui construit l'histoire. Moi, je dirais faux, parce qu'il me semble que c'était une sorte de roman, mais l'histoire, elle avait rien, pas grand chose à voir avec ce que Disney avait montré après. Donc, du coup, tu veux dire vrai? Tu peux répondre à ta question là? La nouvelle originale de Pinocchio n'est pas du tout sur le fait de mentir, vrai ou faux? J'irais fou. Moi j'ai dit vrai. C'est vrai. Quand Disney il a repris le truc, il avait besoin d'un truc qui parle à tout le monde aux États-Unis et c'était bon, les gentils enfants ils mentent pas. Mais en fait, le problème c'est quand ils l'ont écrit en Italie à l'époque, ils avaient des problèmes beaucoup plus graves, genre les enfants se font exploiter et meurent sur des chantiers à 12 ans en fait. C'était la pauvreté la plus extrême. Pinocchio c'est sur l'éducation. Il y a un chapitre où à un moment il ment et la fée pour le troll lui fait grandir son nez, mais c'est vraiment une anecdote dont personne n'a rien à carrer. Et les Américains ils sont venus et ils ont reconstruit autour de ça. Les Américains avaient beaucoup moins ce problème de les enfants ont pas accès à l'école parce que c'était un pays nettement plus développé à ce moment-là et donc ils se sont refocus
juste sur un truc rigolo, si tu mens, ton est s'allonge. Mais le bouquin a été écrit pour dire à tous les enfants d'Italie qui travaillaient dès leurs 12 ans, allez à l'école, choper une éducation, sinon on va vous exploiter toute votre vie. Mais tu vois, je me demande si les dessins animés comme ça, ils ont un aussi gros impact sociétal maintenant qu'à l'époque, parce que tu vois, il y a ça, et il y avait aussi Popeye, qui à l'époque avait eu genre une sorte d'impact monstrueux, bien sûr sur les ventes d'épinards, tu vois, ou des conneries comme ça, mais franchement, c'est connu, tu vois. Popeye a fait exploser les ventes d'épinards, c'est 100% vrai. En fait, moi, le côté les Américains qui reprennent un truc et qui le retunent, c'était une évidence. Le fait de régénérer sa vie automatiquement dans les FPS modernes, il n'y a plus besoin de ramasser des packs de vie, ça vient de Halo, vrai ou faux? J'ai joué à Halo. Ça, c'est pas vraiment la réponse que j'attendais. Excellent FPS. Moi, je dirais faux. Je pense que potentiellement, Halo arrive quand même en 2002. Et je pense qu'avant 2002, il a dû se passer des choses. Si tu veux savoir les principaux FPS qui étaient populaires avant Halo, bah, il y avait Doom, Quake, oui. GoldenEye, Medal of Honor. Et ben moi, je dirais vrai. C'est bizarre parce que j'ai pas le souvenir. Je pense qu'il fallait looter pour. Je dirais faux. Par principe. Je dirais vrai, moi. Ouais. C'est vrai, ça vient de Halo. Ça vient de Halo, mais ça a pas commencé avec la vie, ça a commencé avec le shield. Dans Halo 1, tu dois encore ramasser des packs de vie, mais ton shield se recharge tout seul. En fait, s'il tombe à zéro, tu récupères un tiers de ton shield gratuit. Moi je me rappelle parce que ça fait oui. CS par exemple c'est plus ancien ouais. Et CS tu récupères pas ta vie. Quake tu récupères pas ta vie. Doom tu récupères pas ta vie. D'ailleurs tout le gameplay de Quake c'est de connaître la map par cœur et pour prendre des machins. Habituellement dans nos jeux quand c'est que toi et moi tu me casses la tête à chaque fois. Faut qu'il gagne là avec un compteur quelqu'un. Ouais magnifique. Mais il y a beaucoup de Aurélien non je rigole. Mais des jeux de foot on va voir. Mec regarde-moi j'ai l'air de jouer à FIFA. Moi j'aime les trucs de Wii. Et puis il nous a commencé avec FF. Et t'as eu faux. Ouais, mais c'est... D'ailleurs, Halo, on doit pas que la régène de vie à Halo, on doit le délire d'avoir que quelques armes. Arme principale, arme secondaire, corps à corps, grenade, c'est Halo. Parce qu'avant, tout le monde s'inspirait des jeux PC, t'avais 8 armes différentes, les quelques rares personnes qui essayaient de les faire sur console, ils te mettaient un menu et tu swappais entre tes 8 armes, c'était horrible. C'était pas principal. Dans GoldenEye, tu regardes ta montre et tu scrolles pendant 20 minutes pour trouver l'arme que tu veux. Halo 1 est sorti, ils ont vu que t'avais jamais besoin de faire pause, t'avais 2 armes, c'était réaliste, tu t'arrêtais jamais. T'en ramassais quelques-unes de temps en temps sur des coins de map, genre sniper, c'était magnifique. Tous les devs du monde ont vu Halo, ont fait c'est trop fluide. La formule du FPS a plus jamais changé. Tous les FPS modernes sont juste sur la formule Halo en fait. Moi Halo ça m'a marqué. Genre c'était l'un des premiers jouer sur Xbox quand j'étais gamin. Tu me traitais d'hier, moi c'était GoldenEye. Bah ouais, t'es un vieillard. Ghost Recon Advanced Warfighter et après Halo et Halo 3 la folie. Est-ce que l'un d'entre vous a joué à Valheim? Non. Valheim est un jeu qui t'apprend à jouer avec honneur comme un vrai viking. Il y a des tombes de vikings dans Valheim. Je sais pas si vous avez déjà joué à Valheim. Si, ouais. Ça pour le coup c'est 100% vrai. Il y a des tombes de vikings éparpillées et où il y a des objets à trouver dedans. C'est juste un truc que tu peux pas trouver. Fait en stream. Moi j'ai jamais joué à Valheim. Moi je me suis juste renseigné sur Valheim. Si tu pilles une tombe de viking, ce que t'as totalement le droit de faire, ce qui est même encouragé par le jeu, tu pourras pas accéder à la dernière zone qui est le Valhalla. Tu veux aller faire le dernier boss, tu fais te construire le portail, l'attaque pour aller dans le Valhalla, tu essayes de rentrer. Si malheureusement t'as pillé avec ton personnage à n'importe quel moment, il va y avoir un message qui dit que tu n'es pas digne. Tu peux pas aller au Valhalla, vrai ou faux? À la vidéo de review, ça. Ça sent bien le truc. En fait, ce serait logique que du fait que t'aies pillé une tombe, ça t'empêche d'accéder au truc le plus gros. Mais en même temps, si c'est une mécanique de base, qui est genre à 100% prise, ou en tout cas super présente, ça semblerait bizarre de sanctionner le joueur pour ça. Je dirais faux. Moi, je dirais vrai. Les devs, des fois, ils aiment bien faire des trucs un peu tordus comme ça. C'est faux, mais c'est parce qu'il n'y a pas de Valhalla. C'était un mensonge dans un mensonge. Il n'y a pas de dernière zone Valhalla. Il n'y a pas de portail. Eh, on te déteste ici. Hein. Ah ouais, mais c'est toi qui as fait toutes ces questions. Ah oui, c'est moi qui ai fait. Ah, mais t'es tordu, hein. C'est que les mecs qui vont faire dans les commentaires, ils vont t'entendre dire ouais, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a jamais joué au jeu. Valheim, je savais que vous étiez des joueurs de Football Manager, jamais vous aviez joué à Valheim. Moi j'ai joué à Stardew Valley. C'est une question Stardew Valley. Après j'ai pas mis 200 heures mais j'ai joué. Si je fais bouger ça, ça crée une ambiance flippante où des fois il y a de la lumière, des fois il y en a pas. Non. Je voulais faire une ambiance interrogation dans un film noir. Les amis, nous sommes pile à la moitié d'après ce que Monsieur Review me dit. On a fait la première partie de la vidéo où on discutait un peu comme ça de nos opinions sur les réponses. Mais pour essayer de quand même apporter un peu de suspense parce qu'il est en train de se prendre une branlée, on va essayer de maintenant ajouter une ardoise pour écrire les réponses et réfléchir ou donner notre logique après. Est-ce que c'est mieux? Ça me va. Le Collège universitaire de Londres, une université prestigieuse à Londres avec notamment des parcours connus en histoire et en archéologie, a aidé à traduire l'alphabet dans tunique, vrai ou faux. Du coup, ils disent plus rien. Justement, on réfléchit. Et on dit ce qu'on en pense après. Super. Super, du coup je fais l'animation tout seul. J'ai un vrai de ce côté-là, Joël. Faux. Oh. Moi je dirais, ça m'étonnerait, tu sais, pour moi ils n'auraient pas besoin d'appeler une école en particulier pour une traduction, ils feraient appel à un, bah, justement, à un particulier qui viendrait traduire, mais pas à une école quand même. Moi je le vois vite, ces trucs de collège mes couilles de Londres qui participent sur un truc. Moi ça m'étonnerait pas. Ça pourrait, mais c'est faux. Joël a tout à fait raison, c'est juste un particulier qui a débarqué, qui aimait résoudre des puzzles, ce genre de trucs. Mais c'est important de préciser que si l'alphabet dans tunique est craquable, c'est en partie parce que la dernière page, j'ai une pierre de Rosette qui est un truc qui est au British Museum, ouais. Qui travaille très étroitement avec le Collège de Londres. Et donc, ça qui m'a donné l'idée de cette question. C'était possible. La remontada.
Est-ce que moi l'un d'entre vous a joué à Sea of Thieves? J'ai regardé des streams. Et je sais que t'aimes beaucoup ce jeu. C'est le jeu qui a lancé le Game Pass, mettez du respect sur Sea of Thieves. Mettez du respect sur Rare d'ailleurs qui a fait GoldenEye. Vous savez, Sea of Thieves, GoldenEye même studio? Bah bien sûr, et Conquest. Non mais excuse-moi. Il y a dans Sea of Thieves un requin, vous voyez les requins géants qui attaquent de temps en temps. Il y en a un qui est tellement rare que tu pourrais mettre des centaines d'heures dans le jeu et ne jamais le voir vrai ou faux. Genre moi par exemple, j'ai vraiment poncé le game, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que je peux avoir un reveal des arbres s'il vous plaît? Faux, vrai. J'ai bien peur de m'être fait bait, mais je crois que tu souris donc je me suis fait bait, t'as dit. J'ai poncé le jeu et je l'ai pas vu. T'as ajouté un détail. Quand t'ajoutes trop de détails, tu mens. Ah ouais? C'est vrai, hein. T'as vu les deux revers de la médaille? Quand t'as dit je l'ai poncé, je me suis dit non, il a vraiment joué, il aurait pas. C'est j'aurais venu, pas dû le dire, c'est je, venu me ton cerveau. Dit, je me suis dit que j'avais fait une erreur. C'est venu de ton cerveau. Alors que moi, à l'inverse, je me suis dit il rajoute trop de détails donc non. C'est pas vrai. C'est, en fait, t'as le mégalodon, et le mégalodon existe en plusieurs versions. Il y en a une qui s'appelle le Shrouded Ghost. Enfin, il a une version couleur bizarre. Dans les tout premiers jours, il était tellement rare, les forums ont même douté qu'il existait. Un jour, la communauté Sea of Thieves, qui est genre très très organisée, en avait marre de demander à Rare c'est quoi le pourcentage d'apparition de ce truc, parce que vraiment il est si rare. Et ils ont rassemblé des centaines et des centaines d'équipes, ils ont tué des requins toute la journée, ils ont compté combien de personnes tombent sur le Shrouded Ghost. Et dans la même journée, ils ont tué 6600 mégalodons et ils ont trouvé 11 ghosts. Ce qui veut dire 0,2% de chance. Ok. 0,2, c'est une marge d'erreur, tu vois. Si tu fais un truc scientifique, une expérience, c'est une marge d'erreur. Donc vraiment, tu pourrais ne jamais voir ce truc de ta vie, je ne l'ai jamais vu d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et j'ai vu d'où ta frustration. Hein. Oui, et si tu pouvais sentir ma frustration ouais. Dans la dernière phrase. Bon, mais j'ai pas demandé si vous avez joué à No Man's Sky. Si. Oh. Alors, je vais te raconter une histoire. Je l'avais téléchargé sur mon PC. D'ailleurs, l'histoire de No Man's Sky derrière, elle est incroyable avec la conception du jeu. C'est un truc de fou. Le jeu était trop lourd pour mon PC. Vraiment, on fait un truc sur Game Pass. Ça faisait planter mon PC, donc j'ai joué avec la version cloud. Et grâce à ça, j'ai pu jouer à No Man's Sky. Si vous êtes deux joueurs sur la même planète au même moment, vous pourrez pas interagir, mais tu verras une boule de lumière qui te dit qu'il est là. Donc tu pourras le trouver. Est-ce que vous savez combien il y a de planètes dans No Man's Sky? Des milliards. C'est une dinguerie. Ouais, elles sont générées. Elles sont générées entièrement procéduralement, donc le chiffre est absurde. C'est 18 milliards de milliards. Il y a un joueur qui a trouvé un obélisque. Avec une référence dessus à le guide du voyageur intergalactique. Vous voyez le truc, le bouquin que les nerds adorent. Sauf qu'il a jamais voulu donner l'emplacement de la planète. Et comme c'est mathématiquement quasiment impossible de la retrouver, parce que 18 milliards de milliards, les joueurs sur les forums de No Man's Sky cherchent encore cet obélisque aujourd'hui, vrai ou faux. Est-ce qu'il avait prouvé qu'elle existait? Non, il a juste filé un screen sur un site. Prouver, ça voudrait dire donner les coordonnées. J'ai un raisonnement, bon, est-ce qu'il va se tenir? Je sais pas, mais j'ai un petit raisonnement. Mais des fois, tu mets des baits, mais des faux baits. Donc vas-y, de toute façon, quoi qu'il arrive, on est dessus, on est mort. Ok, j'ai une double réponse. 3, 2, 1, reveal. Vrai pour Joël, faux pour Zach. Moi, je dirais vrai, ça sent trop le truc Reddit. Un mec a mis un vieux screen. Et les mecs ont commencé à dire quoi, c'est vrai, nanani, nanana. Ils ont commencé à chercher. Et des gens disent c'était un fake. Je traîne beaucoup sur Reddit, donc je pense que c'est vrai. Faut pas chercher, je suis allé contre mon esprit, je voulais dire vrai. Mais j'ai écrit faux. Ta réflexion est parfaite, mais c'est faux. Parce que ça a été prouvé que le screen était un fake en fait. J'avais envie de répondre vrai, j'ai dit je mets faux, je m'en fous. Ça sonne vrai parce que c'est vraiment arrivé. Un mec a débarqué avec un screen en disant regardez, tac, tac, tac. Reddit a pété un plomb. Ils ont fini par dire 18 milliards de milliards, jamais on le trouvera. Et un jour, il y a un gars qui a débarqué en disant yo, je suis désolé, j'ai fait le montage, j'avais mis dans mon groupe d'amis Facebook. Quelqu'un a volé le screen là-bas et l'a mis ici en vous faisant croire que c'était vrai, mais ça n'a jamais existé. Donc le Reddit No Man's Sky a couru après un obélisque qui n'existait pas pendant genre, je sais pas, 3 semaines. Faire perdre du temps aux gens, c'est criminel, sérieux. Question suivante. Dans Stardew Valley, le petit jeu adorable où tu plantes des citrouilles, 100% des jeux wholesome et mignons le plagient tous les ans. Il est possible de se débarrasser de ces gosses si t'en veux plus en les transformant en oiseaux. Vrai ou faux? Oh, je suis pas allé jusqu'à ce niveau-là, moi. Joël, il dit waouh, il a la conviction. J'ai écouté tes coups de trait. À la fin, il y avait deux coups, t'as mis vrai. C'est bon. Ok, j'ai un vrai et j'ai un faux. Moi, j'irais faux. J'avais vu sur jeuxvideo.com, ils avaient fait une vidéo à propos de ça, de toute l'histoire. Tu sais, ils ont très souvent tendance à mettre un peu de lore autour des... à raconter le lore du jeu et tout, et j'ai pas entendu de ça. Moi, Stardew Valley, j'y ai joué. Je suis peut-être pas arrivé jusqu'à ce moment-là, ça aurait peut-être dû me mettre la plume à l'oreille, mais je sais qu'il y a des trucs cruels. Et du coup, je me t'ai dit que peut-être que ça pourrait y faire partie. Toi, t'es parti du principe que jeuxvideo.com serait exhaustif, ce qui était une terrible erreur. Parce que ah oui. C'est vrai qu'ils les aiment pas beaucoup. Oh ouais. La bastos ouais. Le jeu est mignon et transformer tes gosses pour les abandonner, c'est horrible, mais devoir s'occuper d'un enfant quand tu veux élever des potirons, c'est encore pire. Donc le jeu te propose de vraiment aller dans un endroit où il y a une sorcière, je crois, et genre il y a un hôtel et tu peux payer une certaine quantité de ressources pour plus voir tes gosses, ils se transforment en piaf, ils s'envolent. Hollow Knight, le jeu qui a bluffé tout le monde, que la moitié de la planète est abattue à chaque conférence, qu'il n'y ait pas Silksong, elle est où la suite, qui est vraiment à genre 19 ou 20 sur tous les sites du monde, a été fait par seulement 4 personnes. Vrai ou faux? Pour le coup, Stardew Valley, il était fait par un mec, je crois. Hein. Stardew Valley, c'est un mec. C'est que si c'est faux et tu dis non, il a été fait par 5 personnes, je vais vraiment t'attendre. Ouais, t'imagines. Gros, c'est 3, 2, 1, vrai, 4. Ah, merci. Après, un jeu qui a eu autant de buzz, juste par 4 personnes. Juste par 4 personnes, c'est chaud, hein. Mais vous avez mis vrai. Donc ouais. Vous pensez que c'est faisable par 4
d'autres personnes. En fait, moi, c'est Stardew Valley qui m'a matrixé parce que Stardew Valley, l'histoire, c'est que le mec, il avait fait le jeu tout seul. Moi, je vais être honnête avec toi, je suis un gamer, j'ai des refs, j'ai joué genre à des Fallout, des Fables, des Skyrim, tu vois, des petits jeux vraiment cool, j'ai fait les The Last of Us et tout, mais j'ai un retard considérable en gaming. C'est-à-dire que le jeu, là, dont t'as parlé, tu vois même pas c'est quoi. Voilà. Donc, à partir du moment où je vois même pas c'est quoi, je peux même pas concevoir. Quand t'as du retard comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un seul jeu qui t'a bouffé tout ton temps. Call of Duty, League of Legends, ça commence à me ralentir. T'aurais jamais dû tomber dedans. Les gars, rappelez-vous qu'il a été dans le top 300 des pires joueurs d'Europe et qu'ils ont pas reset le nombre de games faits en un an et demi, il est à 1400 games. Moi, je préfère chez moi que dehors. Du coup, c'est vrai ou faux? C'est faux. Ils étaient trois. Non, non, t'es un mytho. T'es un mytho. Non, non, non. Ça s'appelle Team Cherry, c'est un minuscule studio et ils sont trois. Là, ça va être extrêmement rapide, extrêmement simple. Le mec qui a fait la musique de Requiem for a Dream, il a fait la musique de Mass Effect, vrai ou faux? Ça te paraît trop random pour que ce soit faux. Alors moi, j'ai une déduction. Je vais mettre vrai parce que ça peut paraître très bizarre. Moi, quand je fais tout n'importe quoi, je taffe sur des PowerPoint, des conneries, je mets thème jeu vidéo. Et Mass Effect arrive souvent. C'est un jeu auquel tu n'as jamais joué, donc je pense que c'est plausible. Requiem for a Dream, c'est une bête de musique et ça va sur toutes les vidéos qui disent que la Terre est plate. C'est une musique de complotiste. Je pense que tu vas faire le rapprochement que Mass Effect, ça se rapproche. Donc, du coup, peut-être qu'on se serait dit ça. C'est pas trop un truc de complotiste. Mass Effect, non, c'était vrai en fait. C'est juste, c'était un compositeur prestigieux, ils avaient de l'argent. Il les a pas toutes faites, il a fait toutes celles de Mass Effect 3. Dernière question sur un jeu qui n'est pas Lies of P, après on enchaînera sur la question Lies of P. Celui-là, j'ai bon espoir que vous y ayez joué. Among Us. Peut-être même que vous l'avez. C'est pas une des plus dures, je pense. T'as que vous fait avez... une vidéo dessus. En plus, je t'ai dit, ouais, fais des vidéos sur Among Us. Tu l'as regardé cette vidéo? Bien sûr. Tu t'en souviens? Bien sûr. Ah, c'est relou. Quand Among Us est sorti, personne n'y a joué pendant un an, vrai ou faux? Franchement. T'es en mode, j'en ai aucune idée. Non, non, c'est pas pour faire le mec, mais je le dis à l'oral. Tu dis à l'oral? Vas-y, dis-le à l'oral. Vrai. 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 Ok, la question était trop facile. Comment vous le saviez? Parce que j'ai vu dans ta vidéo qu'en fait, le jeu, personne. Le jeu n'avait pas du tout été joué. Et je crois un streamer américain, c'était pas celui-ci. Tu parles de l'homme aux 100 millions? Oui, voilà, l'homme aux 100 millions. Ouais. Et en fait, plein d'autres streamers ont commencé à jouer et pendant un an, il touchait. Et ça a été la hype des party games, et machin, après, et tout, en 2020, je me rappelle. Plus c'est fait confinement, tout le monde était stuck chez lui. Mais ouais, le jeu Among Us a galéré de fou avant de se lancer. Le studio a lui-même admis que s'ils avaient été un tout petit peu raisonnables en termes de business, ils auraient cut le jeu bien avant. Ça aurait été fait par n'importe quel studio plus pro, ça aurait jamais existé parce qu'ils l'auraient cut après 6 mois où ils n'avaient pas de joueurs. Et au bout du 6e mois, il n'y avait même pas assez de gens sur les serveurs pour faire une seule partie. C'était vide, genre il y avait 3 personnes. Pendant les 6 mois suivants, ils étaient genre 20. Et après, ça a pété d'un coup. Ça tient à une pandémie mondiale. Dédicace au Covid. Lies of P. Il est possible de mentir ou de ne pas mentir dans le scénario principal de Lies of P, mais si tu le fais trop, le modèle de ton personnage a son nez qui grandit petit à petit. Vrai ou faux? Oh. Après, moi, je pense au trailer. Je sais pas. Que dit Zach? Moi, je dis faux, parce qu'il a pas un faciès, il a pas une tête. Pourquoi tu dis vrai? Parce que ça a l'air d'être une feature drôle. C'est vrai que c'est une feature drôle, mais c'est trop relou à faire. Surtout quand t'as autant travaillé le design de ton personnage, et donc non. Il n'y a pas de façon constante le modèle du personnage dont le nez s'allonge. Non, mais même quand, j'aurais tu aimé. Vois, quand tu vois le faciès du perso, il a pas une tête. Ils ont fait exprès de le faire BG et tout. En ouais, plus, tu vois, je le verrais mal. Mais il ressemble de pas de fou à Chalamet. Moi, je trouve qu'il y a des faux airs de Joker. Bon, par contre, j'ai des airs de Victorio. Salut, Sergio. Alors, à ce moment-là, la caméra, si elle est placée comme ça, c'est parce que c'est mon imitation de vue. Tu peux enlever des points, monsieur arbitre. Dans le cinéma, lorsque la caméra est comme ça, c'est que l'auteur veut vous faire. Je parle pas comme ça. Mais si, je parle comme ça. Je parle tellement pas comme ça. Bon, écoutez, je crois qu'on est à la fin. Qui a gagné? C'est toi qui a gagné? Bah oui, il me semble que non. Non, je suis pas sûr, faudrait recompter les points, faudrait appeler l'arbitre. La plupart des jeux, vous y avez pas touché, mais en fait, il y en avait toujours un d'entre vous qui avait raison. Donc en vrai, pas vous mal. Avez grave bien sorti. Hein. En vrai, non. En fait, il y avait des jeux que moi j'avais un peu touché, pas lui, inversement, tu vois. En vrai, ça va, on a pas été trop nuls. Non, en fait, moi, toi, t'avais plus des jeux que t'avais touché. Moi, je me renseigne beaucoup, j'avais beaucoup le lore de plein de jeux, tu vois. Stardew Valley, j'ai pas mis une sur le jeu, mais j'ai dû voir 2 heures de vidéo dessus, tu vois. Et du coup, t'as eu faux. Je pense que c'était le meilleur exemple. C'est horrible, hein. Merci, JVC. Et bah, du coup, merci, monsieur Review, de nous avoir animé tout ça. C'était super. Ben, c'était un plaisir. Et en vrai, vous en êtes pas mal sorti du tout. J'avais trop peur, dû à chaque fois que ce serait un jeu auquel vous avez pas touché, les deux est faux. Mais en fait, non, c'était super serré. Il y en avait toujours un qui avait raison et un qui avait tort. C'était excellent. Merci, monsieur Joël, pour ta participation. Ça fait plaisir. Mais de rien, la prochaine fois, je m'amuserai te mettre une vitesse. Toujours un plaisir de pouvoir faire un petit peu des vidéos dans ta compagnie. Étaler un peu ma culture générale. C'est pas grave, Joël. Moi, j'irai faire des botlines avec toi. Eh, par contre, attends, je vais choisir ton cosplay. Ouais. À la prochaine. C'est quel cosplay qui est prévu là? Freezer. Ouais, Freezer, je prends, ouais. Merci également à Lies of P d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le jeu est disponible le 19 septembre. Vous avez le lien et toutes les informations dans la description. On a fait cette vidéo dans ce décor qui ressemble un petit peu à l'ambiance du jeu et c'était très cool de pouvoir le faire. Je tiens à préciser également que tous les jeux que vous avez entendus sont disponibles dans le Game Pass qui vous permet d'avoir accès à des centaines de jeux et avec plein de nouveautés constantes sur PC, sur console ou sur le cloud. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et on se dit à la prochaine les amis. Ciao, ciao.